Je suis experte SEO depuis 2010 et je travaille principalement sur le moteur de recherche Google, que tout le monde connaît, et également Baidu, le moteur de recherche leader en Chine. Donc, euh, Véronique, tu as un parcours, euh, je trouve pas, tu très visible, je trouve, sur LinkedIn, c'est comme ça que je t'ai découvert. Euh, comment c'était venu l'idée de venir dans cet univers du SEO alors en fait, il euh, faut commencer, je pense par le commencement, dans le sens où euh, j'ai fait en fait un master en, en ingénierie linguistique, euh, dans la recherche liée au traitement automatique des langues, etc. Et tout ce qui était lié à l'indexation, à la sémantique, c'était déjà des sujets euh, qu'on abordait en cours, euh, mais j'avais jamais fait le lien avec euh, ce qu'on appelle le référencement naturel. Oui je suis arrivée en fait un peu par erreur dans, dans le référencement naturel, pensant justement que c'était plus... Euh, J'avais postulé en fait à un stage pensant que c'était de la rédaction web, euh, enfin de la rédaction technique, pardon, <laughs> alors qu'en fait c'était de la rédaction web. Et à partir de là, je me suis dit « Ah bah c'est super, euh, je vais pouvoir enfin mettre en pratique ce que j'ai appris euh, pendant mes études ». Et je me rends compte que ce qu'on me demandait pendant le stage, en termes de mission, ça n'avait rien à voir avec de la rédaction technique. Pour info, la rédaction technique, c'est tout ce qui est rédaction de tutoriels, de modes d'emploi, oui. ce genre de choses. Alors là, on m'a demandé plutôt d'insérer des mots-clés dans, dans des articles, de les optimiser. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, Ouais. C'est quoi ça? Et il faut se situer, on était en 2010. Et donc le SEO, euh, c'était quelque chose dont personne n'avait vraiment encore entendu parler en France. Et c'est comme ça, en fait, je me suis dit, tiens, c'est curieux, ça a l'air quand même d'être un métier assez euh, rigolo. Parce que voilà, faut mettre des mots-clés dans un texte, il euh, faut l'optimiser pour que ça soit visible sur Google. Pourquoi pas? Donc euh, de fil en comble, je me suis euh, découverte cette passion pendant ce stage. Et après ce stage, voilà, j'ai commencé euh, à travailler sur un site web que j'ai développé toute seule à l'époque pour faire connaître en fait euh, mes outils de veille. Parce qu'en parallèle, j'ai eu une vie de veilleuse, de chargée de veille stratégique, okay. qui était plus voilà, en rapport avec aussi mes études. Parce que comme euh, c'est du traitement automatique des langues, on apprenait aussi à créer des crawlers, ce genre de choses. C'est comme ça que je suis tombée dans la marmite du SEO. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le SEO Est-ce que tu t'es formée Enfin, tu as pris des cours Alors, très honnêtement, le SEO, je l'ai appris toute seule. Je suis une vraie autodidacte. Euh, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, avec voilà, la création de mon agence Rankwell, avec mes oh. deux associés, j'ai vraiment... Tout appris toute seule. Je n'ai pas eu de cours, de formation à proprement parler, comme euh, à la fac ou ce genre de choses. Pas du tout. C'est vraiment après mes études, euh, je me suis intéressée de plus en plus au web en créant mes sites, en créant mon blog, en me renseignant, en allant dans des conférences, euh, en rencontrant des personnes aussi avec qui euh, je discutais euh, bah, de tout ça. Et c'est comme ça que je me suis formée au référencement. En Après, cours. beaucoup de tests techniques, hein, beaucoup de, de pratiques personnelles aussi. Je pense que c'est la meilleure manière pour, pour apprendre un métier parfois. Alors, est-ce que tu, tu, as, tu as des conseils pour celles et ceux qui veulent se lancer dans cet univers Alors, mon plus gros conseil, c'est vraiment euh, de pratiquer. On peut faire toutes les théories qu'on veut, suivre toutes les formations qu'on veut. Si derrière, on n'applique pas, on ne... Voilà. On ne se met pas en route, on ne met pas les mains dans le cambouis au moins une fois pour, com com pour comprendre comment fonctionnent certaines choses, les outils, parce qu'en plus en SEO, il y en a de plus en plus, il y a des outils pour tout type de choses, euh, pour coller un site, pour mesurer les performances d'un site. Maintenant avec l'IA en plus, j'en parle même pas avec les générations de textes, ce genre de choses. faut vraiment tester. faut vraiment tester si on reste sur de la théorie. Je pense que c'est pas bon quoi. C'est, on va pas pouvoir être, euh, comment dire, euh, cr... suffisamment crédible pour faire du référencement naturel. Mm. Alors de manière rapide, c'est quoi les outils, les outils que tu utilises Alors dans mon quotidien, il y en a un que j'utilise très souvent et que je recommande à la plupart euh, de, des personnes qui sont intéressées par l'ESO, C'est Screaming Frog. C'est un logiciel en fait, de, de crawling qui est, est de plus en plus complet parce qu'en fait, il met à jour très régulièrement euh, son outil. Et vraiment, avec cet outil, aujourd'hui, euh, on peut quasiment faire un audit. Quoi. Alors qu'il y a 10 ans, euh, bah, c'était vraiment qu'un crawler tout simple. Là, aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Il peut intégrer des éléments même de GA4, euh, même des éléments euh, super... Euh, comment dire Compliqué peut-être à trouver parce que c'est des choses dans le détail, mais euh, il est aujourd'hui possible de le faire avec Screaming Flog. Donc euh, cet outil, je le recommande. D'accord. Après, il y en a d'autres comme euh, euh, les outils de Google. Hein. Tout simplement, Google Search Console, c'est une mine, euh, mine d'informations, cet outil, et il est gratuit. Ah, oui. Après, bon, il y a Google Analytics, bien évidemment, pour tout ce qui est euh, tracking, visite, ce genre de choses. Et après, en termes de performance, en termes de temps de chargement, je vous recommanderais bah, de regarder aussi euh, PageSpeed Insights ou Lighthouse de Google, qui permet de mesurer le temps de chargement d'un site web. Hmm. C'est quoi la demande euh, qu'on te demande régulièrement C'est quoi en fait Des clients, qu'est-ce qu'ils te demandent bah, La plupart du temps, ça va être euh, des audits. Okay. Ensuite, un accompagnement. Parce qu'après l'audit, souvent, c'est des rapports, on va dire, un peu de, de constats techniques très compliqués quand même à comprendre pour, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Donc, il faut faire un accompagnement, un suivi bah, pour qu'il puisse intégrer les recommandations, qu'on lui donne du consulting tous les mois pour qu'il améliore son site, parce qu'un site, surtout un site e-commerce, bah, ça vit. Hein. Il y a un cycle de vie de produit à gérer, euh, il y a les saisonnalités, et donc, c'est plus ce type de consulting qu'on va donner en termes de services. Et également, euh, souvent, on peut avoir des euh, demandes de netlinking, de contenu, pour alimenter et rendre le site euh, bah, plus puissant et plus populaire, bien évidemment. Hmm. D'accord. Quel que soit le site internet, euh, le processus est le, est le même. Ça ne change pas, quoi. C'est quasi le même. Je dirais que quand même pour un site vitrine, bah comme il n'y a pas forcément un cycle de vie de produit, c'est d'autres stratégies qu'on va mettre en place, peut-être plus de contenu à faire, plus d'un guide, ce genre de choses, pour qu'on ait à la fois du contenu froid, du contenu chaud, parce que plus important, c'est de montrer à Google, et même pour les autres moteurs de recherche, que le site vit, qu'il est suffisamment mis à jour, pour être intéressant au vu des internautes et des utilisateurs. Ouais. Mm. Pour toi, c'est quoi la définition d'un entrepreneur Alors, c'est <laughs> vraiment une question large parce que entreprendre, finalement tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que on crée un projet, hop, on y va, on se lance dedans. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est persévérant et qui est patient. Je trouve que l'entrepreneur a, a des qualités similaires à un SEO, dans le sens où euh, il doit être curieux, il doit être patient, il doit être persévérant, il doit tester, il doit oser, euh, parce qu'il y a plein de choses aussi. Il euh, faut prendre des risques, en fait, hein, et essayer, euh, quitte à investir un peu de temps, un peu d'argent euh, dans certaines choses, il faut se lancer, parce que sinon, euh, bah, on ne sait pas trop où on va et on ne sait pas surtout quel résultat est-ce que ça pourrait apporter. Donc, entreprendre, pour moi, c'est... Euh, des risques mais tout en étant patient persévérant et mesurer la chose ouais. si c'est pour se mettre en danger euh, je sais pas financièrement ou autre c'est pas non plus le but donc voilà y a beaucoup de choses pour moi l'entrepreneuriat c'est en même temps c'est une sorte de liberté hein. réellement parce que euh, on fait quelque chose qu'on va aimer normalement <laughs> et on est censé être plus épanoui aussi par la suite mm. Euh, Parle-nous de ton expérience dans le podcast. Pareil, c'est un autre univers, ça. Qu'est-ce que tu en as retiré enfin, Qu'est-ce que tu en retires de ce format-là euh, Alors, euh, par rapport au podcast, pareil, on va dire que je me suis euh, vraiment formée toute seule à, à ce format. Euh, j'ai commencé par euh, lancer des podcasts toute seule que j'ai autoproduits qu'on peut retrouver sur Spotify. Et... Euh, c'est vrai que mes deux premiers podcasts étaient beaucoup plus orientés SEO et entrepreneuriat. C'était un petit peu... Je, je me cherchais, quoi. J'étais un peu... J'avais envie de faire un podcast sur le SE mais en même temps, j'avais envie de parler de ma vie d'entrepreneur parce que c'est hyper riche aussi. Il y a énormément de choses à partager. Euh, on a des quotidiens vraiment jamais similaires. C'est pas une routine, en fait. Il y a toujours des choses à faire. Et... Euh, avec ce podcast, enfin, le premier en tout cas, je me suis rendu compte que ça me permettait aussi d'apprendre sur moi-même, de s'auto-former et de mieux comprendre euh, qu'est-ce que je veux dans la vie et qu'est-ce que je ne veux pas. Et c'est vrai que de fil en aiguille, j'en ai produit euh, d'autres. J'ai fait un podcast sur le SEO en cantonais. Parce que je me suis dit, ça peut intéresser aussi des personnes qui sont en Asie et qui veulent apprendre le SEO sur Google. Donc, j'ai lancé un podcast en cantonais sur le SEO Google. Puis, j'ai enchaîné avec un podcast sur le SEO Baidu, en français par contre. Et très vite, en fait, il y a eu la toile, l'agence avec qui j'ai coproduit le podcast « Maîtriser le SEO » qui m'a contacté et qui m'a proposé de faire euh, le méga podcast de 70 épisodes. C'est vrai que c'était un vrai challenge au début parce que bah j'ai toujours produit les choses toute seule, c'est un peu comme au début quand j'ai fait oui. mon blog. J'ai écrit euh, voilà mes articles à ma manière euh, avec mes mots et c'était justement ce qu'il recherchait quelqu'un qui avait euh, ce entre guillemets cette aisance de pouvoir en fait dire les choses à, ma... à sa manière de façon ça. vulgarisée ouais. et de former en fait les autres euh, à travers ce format et c'est vrai qu'aujourd'hui j'adore ce format des podcasts euh, avec Rankwell mon agence on en a deux <laughs> qu'on veut produire euh, pour 2023 ah, bien, bien. donc euh, petit teaser et euh, même personnellement j'en ai encore un autre euh, que j'aimerais bien faire euh, mais je pense euh, toute seule hein, en toujours dans la même thématique alors, ça sera plus orienté sur euh, l'entrepreneuriat au féminin. Ok, intéressant. Voilà, c'est un petit ouais. peu dans, dans ces zones-là. Ouais. Et euh, ben, j'attends un petit peu quand même, parce que j'ai déjà pas mal de projets en même temps. J'imagine. Mais euh, ouais, le podcast, vraiment, euh, j'ai failli, failli abandonner mon blog pour le podcast, mais ah ouais. <rire> je, je <rire> le maintiens quand même. Je le maintiens quand même. Euh, parce que c'est tellement plus simple, je trouve. En fait, euh, voilà, euh, tu as un micro, tu t'enregistres, tu partages ce que tu as à dire euh, bah, sous forme d'audio. Je trouve ça plus vivant oui. et plus facile à, à gérer. Quoi. Mm. Exactement. Euh, du coup, Véronique, euh, une question. Euh, Est-ce que tu as dans ton parcours une anecdote qui t'a touché marquée Mon parcours en général oui. Une anecdote. En fait, je ne sais pas comment te dire ça, mais j'ai tellement. Il y en a beaucoup. <laughs> ouais, il y en a beaucoup. Enfin, il y a quand même pas mal de choses, hein, vu que j'ai occupé pas mal de, de postes au oui. fur et à mesure, euh, dans, dans, dans cette dizaine d'années de carrière, on va dire. Mais je dirais, je pense, le tournant vraiment, euh, c'est quand j'ai laissé entre guillemets le salariat pour devenir entrepreneur. Okay. Donc en, en été 2017, en fait, voilà, j'étais en mode euh, vraiment remise en question qu'est-ce que je voulais faire euh, réellement dans la vie Et de plus en plus, je me suis dit je voulais créer une agence ou, pardon, ou une entreprise qui me ressemble où à la fois je peux proposer des services à l'international en lien avec l'Asie et c'est vrai que avant 2017 j'avais ok eu cette, ces opportunités mais c'était toujours on va dire sous euh, on va dire sous les ordres de quelqu'un hein, finalement parce que c'était pas mes boîtes et ça me ressemblait plus moi j'avais besoin de trouver cette liberté et je pense que ce tournant a été hyper important dans ma vie et ça m'a permis de me lancer pour de bon en osant voilà être plus présente sur les réseaux sociaux dire ce que je pense et c'est pas vraiment une anecdote mais c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué dans ma carrière exactement et ça je le souhaite à tout le monde en fait de pouvoir trouver sa voie de vivre de sa passion finalement et euh, voilà, d'oser partager ses opinions, ses avis, euh, on va dire au quotidien. Hmm. Euh, Véronique, euh, dans les moments difficiles, de doute, parce que hein, tu me disais tout à l'heure, un hein, parcours d'entrepreneur, c'est voilà, c'est il y a des hauts, des bas, euh, c'est jamais euh, forcément plat. C'est jamais lisse. Hein, lisse, oui, c'est ça. Euh, à qui, à quoi penses-tu pour continuer à faire ce que tu fais C'est quoi ta, tes motivations Qu'est-ce qui te pousse en fait à continuer Clairement, ce sont euh, mes objectifs de vie. Ouais. Parce qu'en fait, derrière ouais. l'entrepreneuriat, l'objectif de vie que j'ai, et mes associés, mon mari le savent, c'est vraiment de travailler euh, avec l'Asie, essentiellement, hein, et l'international, bien évidemment. Mais vraiment, l'Asie est de faire en sorte que je puisse développer ce que j'ai fait en France également là-bas. Donc aujourd'hui, euh, j'en ai déjà un peu parlé dans mes posts LinkedIn, je suis en train de rédiger des ouvrages sur le marketing digital en Chine pour les Français et vice-versa, le référencement Google, marketing en France, en Europe pour les Chinois, pour que justement, je devienne réellement un pont entre ces deux cultures. Ça, c'est mon objectif de vie en fait. Et c'est ça qui me pousse tous les jours à aller plus loin, à oser, à donner, euh, je ne sais pas, à tenter des choses, à donner des formations, euh, à, des conférences vraiment euh, à droite à gauche, enfin, dans le sens où ça va être en France, mais également pour une audience en Asie. Et c'est ça mon moteur, quoi, vraiment mon essence qui me donne envie de, de me lever tous les jours et de me battre parce que je voudrais, euh, voilà, être. Euh, être vraiment une personne qui va relier les deux cultures pour les faire avancer ensemble et plus vite dans le digital, on va dire. Ça me fait penser à ce que tu disais par rapport au Power Angels, en fait. Vous avez chacun votre personnalité. Toi, tu es, enfin, c est, c est... Tu es discrète, mais en même temps, tu fais des choses derrière. C'est ben, bien, vous avez chacun votre style, en fait. Mais mm -hmm. le truc, c'est que vous... Les... Vous avez la même, la même ADN, c'est-à-dire partager, quoi, créer des ponts. Et je trouve ça... Oh, C'est pas du hasard que Pénélope vous a choisi... Euh, des cinq... Non. Je vois. pense qu'elle a, elle a un peu étudié nos profils ouais, ouais. presque psychologiques oui, <laughs> et nos me... personnalités. C'est ouais. vrai que peut-être parmi les cinq Power Angels, ça, je suis celle qui est un peu plus discrète. Oui. Mais, Mais euh, oui, je fais des choses derrière. Je ressens euh, je... pareil, exactement. Cette envie ouais. de partager, de faire des choses, de, 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 de créer des ponts. Et c'est vrai que c'est vraiment le, le point connecteur que je, 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 je suis en train de remarquer. Tu vois. Du coup, on, tu me dis ça et je me dis, ah ouais, pareil, elle a bien vu les, les profils, elle les a bien analysés. Quoi. Ah bah oui, je pense. On... <laughs> c'est vrai que quand on produisait ensemble bah, nos podcasts hein, avec non. les filles, c'était ouais. vraiment on sentait qu'il y avait ce côté hein, quand on se retrouvait on était plus là pour partager euh, de l'information parce ouais. qu'il faut se dire que voilà on, on a travaillé énormément pour produire chacune 70, 70 épisodes ouais. pour chacun de nos podcasts et euh, vraiment par passion il y a pas de euh... et puis voilà vous êtes, vous êtes des bosseuses, <laughs> quoi enfin chacun ce que vous me racontez euh, ouais, vous travaillez quoi ça c'est c'est ouais, top franchement c'est top ben voilà, je tenais à le dire quoi. Ah ben, merci, c'est sympa. <laughs> Donc euh, alors Véronique, euh, que dirais-tu à, à la Véronique de 10 ans, si tu l'avais en face de toi ben Alors ça, parce que moi il y a 10 ans, vraiment, euh, je débutais. Bon, euh, Et en plus, euh, c'était pas hyper, hyper... Euh... Même si je savais toujours ce que je voulais un peu dans la dans, dans ma vie, c'était travailler avec les langues, avec euh, le web, euh, d'où le fait que j'ai fait de la linguistique. Mais il y a une anecdote que je n'ai pas racontée dans mon parcours on va dire, universitaire, c'est qu'à la base, je voulais aussi faire du droit. Je voulais devenir avocate euh, tout au début, vraiment en licence 2, licence 3. Mais je me suis rendu compte que si j'étais que dans le droit, le droit français en plus, bah, je ne pouvais pas forcément avoir une carrière à l'international. Même si, en vrai, euh, je pense que j'aurais trouvé d'autres pistes et tout au fur et à mesure. Mais ça aurait été beaucoup trop cloisonné et euh, je n'aurais pas été bien. Je pense que je n'aurais pas été épanouie comme je peux l'être aujourd'hui. C'est-à-dire euh, vraiment faire euh, du web, du digital euh, et aller toujours un peu plus loin dans ma réflexion. Et ça, c'est ce que j'aurais dit à la Véronique d'il y a dix ans. Ne te contente pas euh, de ce que tu vois aujourd'hui. Ça se trouve, ce qui t'arrive là... Euh, c'est un signe pour rebondir sur autre chose pour te réorienter pour te reconvertir et c'est vrai que je suis quelqu'un qui traite comme ça je ne dis pas j'ai une étiquette je absolument faire que ça et euh, c'est vrai que ça me permet en fait avec cette personnalité que j'ai d'aller toujours un peu plus loin d'essayer des choses et je pense que je ferai ça encore un, un moment quoi tant que je peux tant que je le peux <laughs> Donc, question un peu difficile, peut-être euh, la liste est longue, mais euh, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es Il ah bah, y a beaucoup de personnes euh, à qui euh, j'aimerais adresser un, un merci. Euh, déjà, tous ceux qui m'ont fait confiance depuis le début de mon parcours, hein, je dirais même euh, bah, la personne qui m'a recruté en stage <laughs> sans elle. C'est la, la fondatrice de Lily Pousse. Hein. C'est vraiment ma première expérience dans le référencement, la rédaction web. Sans ce stage, j'aurais pas découvert tout ça. Et de fil en aiguille, je remercie aussi bah, mes collègues euh, en de, de stage qui m'ont appris euh, ce que c'est que le référencement il y, a, il y a 12 ans, en 2010. Euh, donc ça remonte. Et également toutes les personnes qui m'ont fait confiance par la suite aussi au SCO camp, qui m'ont voilà, élue en tant que présidente à l'époque entre 2017 et 2018, euh, mes associés que j'ai rencontrés par la suite, qui m'ont permis de créer quoi mon agence, et également tous ceux qui m'entourent et qui me soutiennent au quotidien, notamment mon mari, que j'emmène un peu dans tous mes, dans tous mes projets. Et qui travaille de plus en plus voilà, avec moi euh, sur tous mes projets entrepreneuriaux et même mes podcasts hein, qui sont auto-produits derrière, bah, c'est lui qui, euh, qui m'a un peu aidé parce que bon, moi je ne connais pas trop tous ces trucs avec les micros, euh, les, 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 voilà, les, les éléments pour s'enregistrer, ce genre de choses. Donc voilà, derrière moi en fait, il y a quand même pas mal de monde qui me soutiennent et qui font qu'aujourd'hui, euh, je peux partager mon savoir, mes connaissances de cette manière. Et je remercie bien évidemment par notre podcast Pénélope, qui m'a fait confiance pour euh, monter le podcast Maîtriser l'ESO, bien évidemment. Génial. Alors Véronique, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je suis euh, pas mal active dessus, sinon sur Twitter, euh, pour le même prénom, hein, Véronique Jung, ou encore... Euh, sur Facebook, j'ai une page à voilà, mon nom aussi où je poste de temps en temps des nouvelles. Mais sur, sinon sur LinkedIn, c'est très bien. Bon bah génial Véronique. Bon, en tout cas, je te, je te remercie vraiment pour ce temps, ce partage. Et puis bah, on va peut-être se rencontrer dans d'autres sphères. Ah bah complètement, je pense qu'il y, qu y a moyen. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi.